Et pour vous montrer que je suis bien en difficile, parce que ça fait un petit moment que je voulais pas remontrer ces options. Vous voyez, je suis toujours en difficile. Voilà, que je vous remontre de temps en temps. Alors, toujours des stratèmes. Enfin, je sais pas, je sais même pas comment ça se dit, ces mobs. Bon, bref, c'est sûr que c'est pas évident à... Alors, du coup, est-ce que... Non. T'auras pas le temps de me reste, donc autant me reste à la vitale. Puis, de toute façon, je m'en suis fait dupliquer une. Je pense qu'il va falloir peut-être que pour dupliquer une feuille vitale, il faudrait que je revienne vers des zones que j'ai déjà été. Pour pouvoir me les dupliquer. Là, j'ai du bol, sachant... Putain. Faut que je sauve Sharia de toute façon parce qu'elle est en feu. Et je vous rappelle qu'un perso en feu ne peut pas se soigner. Ah, j'aime bien cette scène. Comme quoi ils ont vraiment poussé l'humour jusqu'au bout. Cabbage. That looks tasty. Hmm, interesting. I never thought the day would come when I could say we've officially seen the Fendel Highlands. What do you mean? Haven't we been seeing them all along? Until now, no man of Strata has ever seen the Highlands. Hey, so now you can brag about it when you get back. I suppose so. It is quite a point of pride. After all, no one we sent through Fendel Mountain Pass has ever returned. Wait, what do you mean? We sent countless spies to infiltrate Fendel, but none made it to the Imperial capital of Zavhurt and returned. Incidentally, the capital is said to be right past the Highlands. But we'll be able to make it back, right? I'm sure our men said the same thing. Ouais, donc on s'attend vraiment, enfin on sait pas ce qui nous attend vraiment à la capitale, hein. Et vous non plus, vous le savez pas d'ailleurs. Et moi je le sais, haha, oui je sais, je suis trop méchant. Bon, enfin bref, c'est pas le but. Alors, du raisin, je dis pas non. Oui, du raisin en pleine montagne aussi, par terre. Oui, oui, c'est normal. Vous inquiétez pas, hein, c'est... Et là, on arrive au port, enfin. Mais on va pas aller prendre le bateau direct, en fait. Par contre, je crois que... Ouais, j'ai loupé un truc, le point de sauvegarde. Il fallait que j'y aille. C'est net, c'est pour ça. Il me semblait bien que j'avais loupé quelque chose. How long can it keep snowing like this? I'm freezing here. Hey, Sophie, how about you and me cuddle up? You seem in high spirits. Meh, I don't mind the cold so much. But you've been making a big deal about how cold you are ever since we got to Fendel. I have? Okay, I get it. You just wanted to touch her. Go ahead, Sophie. You can tell Pascal to shove off. Sophie? Hmm? Oh, yes. Shove off, Pascal. You okay? You've been acting strange ever since we saw Richard again. That's not true. I'm okay. Elle ment très mal, Sophie. Et alors, là, pour la prochaine scénette, il faudra une condition peu particulière pour la débloquer. Alors déjà il faudrait un objet, je sais pas si je l'ai. Donc on va aller voir ça. Normalement il faudrait des crablettes. Est-ce que j'ai ça? Non, je n'ai pas de crablettes, donc on va se les faire. Alors, sport, on va synthétiser. Et j'espère que aussi j'aurai ce qu'il faut pour les faire. Alors non, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas de crabe en fait. Bon, tant pis, on va en dupliquer. Et je vous la montrerai une autre fois. Donc du coup... Alors, il faudrait du crabe. Non, ok, ça c'est pas les ingrédients. Alors, du crabe, où est-ce qu'on en a? Parce qu'en fait, il faut un crabe et un œuf. Donc j'ai les œufs, mais j'ai pas les crabes. Quoique. Bah si. Pourquoi?
Qu'est-ce que j'ai foutu dans mes notes? Alors, attends, on va voir ça. Bon, sinon, je vous la montrerai une autre fois, c'est pas grave. Mais j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que je peux pas me faire de crablette. J'en ai quand même du crabe, c'est... Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va faire la synthèse. On bouffe tant qu'on y est. Ça, franchement, c'est une très bonne... très bonne recette pour drop. Alors, étant donné que je n'ai qu'une croquette, on va prendre... on va prendre des croquettes au crabe, parce que quand même, taux critique x2, faut pas déconner. Après... Gain d'XP plus aussi, ça, c'est, je dis pas non. Du riz sauté. Du coup, ouais. Et du coup, voilà. Maintenant qu'on a récupéré de la poudre douteuse, on peut en faire du romarin rouge, de la lavande rouge, etc. Mais il faut ça, et c'est chiant. Alors aussi, un autre truc que je voudrais voir... On va se faire justement un cristal ténébreux maintenant que j'ai un cristal possédé. Et je dupe créer. Enfin, d'abord, on va voir ce que ça peut se faire avec. Ouais. C'est sûr que c'est pas mal, mais bon, pour l'instant. On va contenter de ça et c'est tout. On va charger le mixeur. Et ce qui vend, c'est toujours la même chose. Ok. Donc on va aller enclencher les scènes et après on va voir si je m'arrête ou pas. This ship will take us to Zavert. You seem to know a lot about this country. Is that a problem? No, not a problem, it's just interesting. The captain's crazy old. He probably knows about everything by now. Tactful as always, Pascal. Don't change the subject. I'm not. I'm only like 22, and so I thought that Gramps here might be all kapow, and then... I didn't mean the subject of your age. Don't fight. Sorry about that, Pascal. Oh, no worries. Doesn't bother me. Donc du coup maintenant pour aller à Zavert, hein, alors que comme le capitaine il sait qu'on doit... Ah non, c'est... je pensais qu'il y a un espion. Mais on va pas y aller directement à Zavert. Normalement ici vous êtes censé avoir une scénette si vous avez des crabettes, mais j'en ai pas donc pour l'instant. Alors en fait je vais pas y aller directement. Je vais aller retourner un peu en arrière. Tant que j'ai un peu de la chance d'y retourner. Ok, sachant qu'il n'y a pas d'objet ici. J'ai encore un peu de temps, donc je vais pouvoir vous montrer quelques petites quêtes annexes et après m'arrêter là. Alors, on va les transporter sur Pass the Fendel du coup. Est-ce que c'est la seule destination? Bon, je suis là, mais bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, vous pouvez y retourner, vous pouvez y aller à partir de l'autre port aussi. Mais je vous rappelle que je voudrais bien voir la scénette avec les crablettes, donc du coup. J'y retournerai, vous la montrer. C'est pas bien grave. Voilà, donc je vous coupe le chemin, on va aller à la frontière en fait. Alors, nous voici à la frontière. Donc, je sais plus si je vous l'avais dit à la précédente vidéo, mais en fait, ce tortue, va falloir vous en rappeler pour une quête annexe. Je vous le dis, va permettre de passer la frontière. Donc, du coup, je vous rappelle qu'on est près de Lente et on peut passer à Lente. Et pourquoi est-ce qu'on revient à Lente, donc qui est quand même au tout début du jeu? Parce qu'on a quand même des quêtes à faire, et oui. Donc du coup, je vous coupe tout le chemin. Ouais, je vous coupe tout le chemin, on se retrouve à Lente. Donc, nous voici de retour rouge à la ville de Lente. Ça faisait vraiment longtemps. Le petit poulet toujours qui nous parle. Et oui, le poulet qui rox. Enfin bref. Donc maintenant, on va retourner... Alors, vous pouvez retourner aussi voir cette quête. Mais on n'a pas accès à Safia. Ah oui, on l'a déjà vu du coup, c'est Sophie qui plante ses graines.
Est-ce que j'ai trouvé les graines de Vélacnik? Maintenant que j'y pense. Je sais plus. je sais plus. Bon, je verrai dans mes notes pour savoir où elles sont et après autant. De toute façon, je dois y repasser au pire, hein, donc c'est pas bien grave. Et en fait, vous avez vu que les premières plantes ont commencé à pousser. Donc en fait, on va devoir attendre un peu de temps. Je sais pas, je sais plus combien c'est de temps. Enfin, je parle c'est en temps de jeu, c'est pas en temps de nuit dans les auberges. Je crois qu'il faut attendre à peu près un peu moins d'une heure ou une demi-heure à peu près. Ah, donc on va tout planter. Ah, on en a trouvé des graines. Hein. Et ils ont trouvé une carte, oui, ils ont par terre de fleurs, c'est normal. Moi aussi, je trouve des cartes magiques hein, dans mon jardin, évidemment. Voilà, donc mais en fait, on n'est pas venu que pour ça, on n'est pas venu que du jardinage, je vous le rassure. On est venu pour autre chose aussi. On vient pour ceci. Alors, j'ai eu en fait pas mal de... Au début, j'ai un peu galéré pour trouver cette quête. Parce qu'en fait, j'ai cru qu'il fallait retourner voir Frédéric au manoir. Bah, en fait, il faut voir tout simplement ici. Et il se TP directement ici. Voilà, donc il a égaré un mouchoir, évidemment. Hein. Et comme ton tout beau RPG, vous allez savoir évidemment ce qu'il va falloir faire. Où est-ce qu'il a égaré? Vous avez pu me dire dans le coin. Mais il a égaré à Barona, près d'un magasin. Oui, oui. Il a égaré là-bas. Et lui, il y pense même pas. C'est j'y vais. Ouais, honnêtement, j'aurais préféré qu'il aille le chercher lui-même. Hein. Que maintenant que j'y pense, je voulais passer au manoir pour déposer pour du coup déposer les requêtes, mais je pense que je le ferai plus tard quand j'aurai le mouchoir. Et puis j'ai oublié quelque chose. Bon, c'est pas bien grave de toute façon, ça c'est pas très grave de toute façon, c'est pas comme si j'ai foutu ma partie en l'air. Alors on va synthétiser, donc on va prendre les graines de gelée. Ou plutôt les pêches. Voilà. Déjà, bon, on va faire ça. C'était pas prévu que je voulais me faire ça, mais bon. Copote de pêche. Mais c'est surtout les gelées que je voulais me faire. Alors, pêche, gelée, on va s'en faire. Ouais, ça doit suffire. Et le raisin aussi. Alors. Alors, sachant que j'ai mis du raisin à dupliquer dans le mixeur, donc vous inquiétez pas pour ça. 70% de PV, je dis pas non, hein, faut pas déconner non plus. Sachant, alors. Et on va voir ce qu'on peut se faire encore en bouffe. Alors, tomate. Ok. Tiens, on va se faire une omelette du coup, vu que j'en ai plus. Ah, mais je crois que c'est peut-être avec l'omelette qu'il faut le faire. Omelette plus crabe, il me semble. Vérifions ça. Omelette. Y'a pas d'omelette ici? Tu te fous. C'est quoi ce troll? Voilà. Non, ça va pas être ça. Je sais plus ce que c'est la recette. Bon, je cherche hors vidéo, pas grave. Alors, du coup, chou. Il y a quand même pas mal de choses à se faire. Il va falloir aussi que j'en duplique. Ah, ça fait quand même des recettes hein, déjà. Ça en fait pas mal. Du radis. Avec des œufs. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On va se refaire une tarte aux pommes parce que j'en ai plus évidemment.
Ouais, toujours en avoir un d'exemplaire. Bon, des fois, on est obligé d'en utiliser pour faire d'autres recettes. Et puis, c'est pas comme si la bouffe, c'était dur à dupliquer aussi. Enfin, par contre, les pêches, il y a quand même 20% de duplication. Bon, aussi c'est un peu chiant quand il est marqué, vous avez 15 exemplaires d'un objet. Donc, autant en libérer un peu. Tiens, je me rends compte que je viens d'utiliser la seule carotte que j'avais. J'ai même pas fait gaffe. Ça, par contre, je dis pas non. Et après. Du coup, avec du bœuf, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je sais pas pourquoi le bœuf ça a été mis en vert. Bon, enfin, grave, de toute façon. Ah ben voilà, on peut se faire crabe et œuf. Je vois pourquoi c'était pas disponible crabe et œuf, mais c'est bien crabe et œuf. Voilà, pour faire les crablettes, et vous avez besoin pour faire une scénette. Alors, je vais les garder, les crablettes, bien au chaud, et je vais pas les utiliser. Je sais pas pourquoi. Je les avais, les crabes et les œufs. C'est quoi ce merdier? Ah, et du coup, j'ai plus de riz maintenant, donc va falloir que j'en gagne. Pâte, c'est bon. Donc la cuisine, évidemment, je vous rappelle que c'est quand même très important. Évidemment, faut se nourrir, les enfants. Bon, allez, c'est bon pour le moment. Je pense que vous avez vu assez de cuisine comme ça. On a débloqué pas mal de recettes. Et en fait, je vais aller retourner dans la plaine du tout début. Parce qu'on a un petit objet à récupérer. Et cet objet, justement, c'est une requête pour gagner des points de compétences. Et les compétences, je vous rappelle que je dis pas non. Alors on le contourne, bon de toute façon c'est pas loin donc je vais pas vous couper. Alors aussi maintenant les ennemis, maintenant que vous êtes au niveau, commence à vous éviter. Et ça c'est pas trop mal, bon en plus on va assez vite donc. Par exemple, voilà, vous avez vu, il m'évite, hop. Ah lui il m'a chancé dessus quand même. Bon bah. Hein, ça m'a étonné, lui, quand même, m'a foncé dessus. Je pensais pas. Bon, petit coup de soin, je dis pas non. Ok. Bon, c'est juste pour vérifier s'il y avait rien. Et normalement, voilà, ici. Et ça, c'est pour récupérer un objet que vous devez rendre dans une roquette. Alors que le mouchoir, il me semble... Non, le mouchoir ne compte pas dans la quête, il compte dans une requête. Mais la quête de Frédéric peuvent être loupées. Je ne l'ai pas signalé ça. J'ai oublié de le signaler. Donc on trouve une lettre, évidemment. Ah, tant que c'est pas doublé, effectivement. Donc si vous lisez la lettre, vous pouvez savoir à peu près... De qui il s'agit. Ah, quand même, la première fois qu'on était retourné, en phase adulte, on n'avait pas vu cette lettre. Ah moi j'aurais pensé qu'il aurait envoyé mis cette lettre il y a 10 ans. Bon maintenant c'est quand même illogique puisque comme on était retourné c'était il y a moins d'un an dans le jeu. Voilà. Donc la lettre anonyme a déposé pour avoir des points de compétence. Alors maintenant on va aller à Navgrel pour déclencher là cette fois une vraie quête annexe. Donc je vous coupe ici et on se retrouve à Navgrel.